Alors ça me fait plaisir Frédéric parce que t'as pas bougé. Ah non, je bouge pas. De la confiance là, ça fait plaisir. Oui, oui. Ça va, bonjour à tous, impeccable, ouais, super. Avec une belle petite Corvette Z06. C'est un mélange entre une voiture exotique, ouais, voilà, une supercar, c'est-à-dire que ça concurrence cette voiture à la fois une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, et à la fois les voitures de drift. Parce que figure-toi qu'on a un gros moteur américain, un gros V8 7 litres de cylindrée, ouais, qui développe un peu plus de 500 chevaux, c'est beaucoup le, de coupe. C'est le LS3 ? Non, c'est pas le LS3, ouais, c'est un moteur qui est un peu plus gros que le LS3. Et donc on peut à la fois la prendre pour aller sur le circuit et se battre avec des Porsche, et à la fois sur une airplane faire des concours de drift et se battre avec des BMW, etc. D'accord, donc aujourd'hui on sait que tu es un très très bon pilote. C'est mais gentil. Avant tout, tu es un cascadeur, ouais, et tu as même gagné un award ici. Et aujourd'hui, en fait, tu nous as appelé pour nous donner un cours de drift. Alors, les voitures de drift coûtent très très cher aujourd'hui. Si on veut des vraies voitures de drift, déjà, c'est hyper chiant à préparer. Ouais. C'est des moteurs qui font 600 chevaux avec des turbos, des embrayages renforcés, etc. Même si tu pars sur une BM, le plus populaire, ce sont des voitures japonaises, des propulsions japonaises, mais tu arrives tout de suite à 60 000-80 000 $ de préparation. Celle-là, tu la prends d'origine. Tu mets des pneus un peu renforcés, tu peux vraiment glisser avec cette voiture. Ce qui est bien, c'est que la voiture est assez longue et on a un moteur central avant. Et la boîte de vitesse est à l'arrière, donc la voiture est assez bien équilibrée. Et résultat, t'as pas besoin de trop forcer pour qu'elle glisse. Patinage d'origine, ouais, et un ESP donc qu'on va déconnecter aujourd'hui, évidemment. 5000 tours, ça prend 5600, ouais, 6000 tours à peu près, ouais, ça prend pas beaucoup de tours, c'est un gros moteur, donc c'est énorme puissance en bas régime, ouais. Ouais, c'est ça qui est bien pour la glisse. Pour la faire glisser. Ah ouais, c'est excellent. Bon, là on était à 30 miles par heure. Ouais. Maintenant on va essayer d'aller un peu plus vite. Excellent comme voiture. On est qu'en première vitesse. On est qu'en première, qu'on a ah ouais. C'est incroyable. C'est comme ça, pour première, deuxième, troisième, quatrième, ouais, tu peux arriver à glisser. Il y a tellement de puissance qu'à chaque coup de volant, un coup d'accélérateur et on est en glisse. C'est excellent, vraiment top. Bon, t'as vu, là, des fois la voiture elle s'ouvrirait un petit peu, donc j'étais obligé de mettre des coups d'embrayage. D'accord. Comme ça, la voiture se retrouve en roue libre et je lâche fort mon embrayage. Ça me fait un à-coup dans le train arrière et ça déclenche mon patinage. D'accord. Okay. Donc la voiture, quand il y a trop de grip sur les roues arrière, et ben on fait comme ça, et résultat, soit on met des coups de frein à main, mais sur une propulsion c'est moins efficace, soit tu mets des petits coups d'embrayage et ça fait des petits blocages de boîte, et résultat, on arrive à déclencher et à faire des belles glisses tout le long. Alors c'est pas très bien, ça préserve pas trop la mécanique, mais il faut savoir qu'ici à Las Vegas, on fait des baptêmes de drift avec cette voiture. Et si on utilise cette voiture, c'est qu'il y a bien raison. On a testé toutes les voitures, des Porsche GT3, des Porsche GT3 RS, des BM, etc. Et la plus résistante, c'est celle-là. Je peux vous dire qu'on lui en met plein la tête. C'est le cas de le dire. Plein les pneus en tout cas. Alors que tu places ta voiture là, comme ça, comment tu... Alors en fait, on va tricher, on va pas prendre la trajectoire normale. On va surbraquer au début du virage. Donc la voiture, l'arrière va venir. Voilà, on balance l'auto, c'est comme ça qu'on commence le drift. Et après, là, on entretient la glisse
avec l'accélérateur et là on se met à faire du patinage. C'était sympa en sensation, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah moi j'adore. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas moi au volant je me suis éclaté. Hein. Alors comme je l'ai dit en début d'émission, tu as eu l'award de la meilleure cascade. J'ai que 34 ans, mais j'ai fait pas mal de choses. J'ai eu de la chance de vivre pas mal de mes rêves, notamment j'ai fait du sport automobile et j'ai fait de la cascade. J'ai fait environ 150 tournages de films différents. Ah quand même, 150. Donc beaucoup de séries télé françaises. Ouais. Et puis après, on a enchaîné les plus gros tournages avec Taxi notamment, Ronin, La mémoire dans la peau. Je conduisais à la Mini Rouge. Et c'est pour ce film-là que j'ai gagné l'award de la meilleure cascade. Okay. Alors, ce qui était bien, c'est que t'imagines, t'as 25 ans et t'es payé, t'as les flics qui bloquent la rue. Et t'es payé pour casser des voitures, pour faire des dérapages et les flics qui t'applaudissent. C'était juste extraordinaire. Ouais.